Je suis devant le Royalton chez Cancun. C'est ici que ce malheureux drame s'est produit. I know that I will never know exactly what happened to Elijah. State Department heightening its warning to Americans traveling to Mexico, where violent crimes are on the rise, even in tourist destinations. Because really, there is no other explanation as to how he was able to survive all that he went through in Mexico. Hello, c'est Lionel. Aujourd'hui, on va aller au Mexique où j'ai eu l'occasion de vivre 4 mois. On va aller à Cancun, une célèbre station balnéaire au bord de la mer des Caraïbes. Mais Cancun, ça n'est pas que les belles plages, la mer turquoise et la fête non-stop. Non, elle a aussi une face sombre. Des touristes ont déjà été victimes de morts suspectes et de crimes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour l'occasion, je vous ai aussi ramené quelques images filmées sur place. Comme j'ai pu le constater par moi-même, le Mexique est l'un des pays les plus dangereux au monde. Quand on voyage dans un pays à risque, la priorité numéro un est de rester en sécurité physiquement, mais aussi sur Internet. Et le meilleur moyen de se protéger contre les hackers et les sites malveillants est d'utiliser un VPN. C'est ce que j'ai fait au Mexique et je le regrette pas. Voilà pourquoi il faut que je vous parle de CyberGhost VPN, qui est le sponsor de cette vidéo. En général, quand vous êtes dans un aéroport, une gare ou un fast-food, vous utilisez un Wi-Fi public. Le problème, c'est que les Wi-Fi publics ne sont franchement pas sécurisés. Et un VPN vous permet justement de protéger vos infos perso. Votre vraie adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Donc c'est pratique quand vous vous déplacez et aussi chez vous, surtout si vous êtes en télétravail. CyberGhost VPN peut aussi vous servir à accéder à du contenu géobloqué, que ce soit les sites internet ou YouTube. Vous pouvez trouver de meilleures offres en ligne, jouer à des jeux bloqués dans votre région, et même débloquer des catalogues de plus de 40 sites de streaming comme Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video et bien d'autres. Par exemple, avec CyberGhost VPN, vous pouvez voir des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis ou même au Japon. Vous pouvez également avoir accès aux courses de Formule 1 gratuitement et en français en vous connectant au serveur belge de la chaîne RTBF. CyberGhost VPN vous permet d'avoir accès à tout le contenu du monde sans limitation. Le logiciel est très facile d'utilisation et l'un des gros avantages de ce VPN en particulier, c'est qu'ils ont une démarche de transparence. Ils ne collectent pas et ne partagent pas vos données. Et un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, vous pouvez en faire profiter vos proches. Et il est disponible sur toutes les plateformes. Windows, Android, iOS. Alors si la sécurité est importante pour vous, n'attendez plus. En utilisant le lien dispo juste en dessous en barre d'infos, vous obtiendrez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03€ par mois et 4 mois gratuits. En plus, ils ont une garantie 45 jours satisfait ou remboursé et un support 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont déjà 38 millions d'utilisateurs dans le monde, alors essayez. C'est totalement sans risque. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Accrochez maintenant vos ceintures, on part à Cancun. Connu pour son célèbre Spring Break, à l'occasion duquel des dizaines de milliers d'étudiants américains et canadiens débarquent sur les plages paradisiaques pour faire la fête non-stop. Et chaque année, Cancun accueille 9 millions de touristes internationaux. Situé au Yucatan, dans l'état de Quintana Roo, Cancun a longtemps été considéré comme l'un des endroits les plus sûrs du Mexique. Et c'est vrai comparé au reste du pays, il n'y a pas photo. Seulement, il se passe quand même des événements sinistres, comme l'affaire Elijah Snow que je vais vous présenter maintenant. En 2021, Elijah et Jamie Snow sont mariés et femmes depuis 10 ans. Âgé de 35 ans comme son épouse, Elijah est pompier professionnel à Arlington, une ville du Texas. Le couple a deux adorables petites filles de 6 et 5 ans qui font le bonheur de leurs parents. Mais en juillet 2021, Elijah et Jamie ont prévu de fêter leur 10e anniversaire de mariage sous le soleil du Mexique. Pendant une semaine, ils vont séjourner en amoureux au Royalton chez Cancun, un luxueux complexe de vacances 5 étoiles all-inclusive à environ 400€ la nuit. Le resort est situé au cœur de la zone hôtelière de Cancun, sur une longue bande de terre entre la lagune et la mer. Disposant d'une plage privée, l'hôtel offre tout le confort qu'on peut attendre. Le couple a bien entendu parlé de l'insécurité au Mexique, mais Cancun est considéré comme plutôt préservé par la violence, et surtout, ils n'ont pas prévu de sortir du resort qui dispose d'un service de sécurité privé.
Le dimanche 18 juillet 2021, c'est le début des vacances de rêve pour les Snow qui s'envolent pour Cancun, à environ 2h30 de vol du Texas. Une fois arrivé au Royalton Chic Cancun, le couple dépose ses affaires dans sa chambre confortable et file à la piscine où il commande des margaritas. Pendant toute l'après-midi, il se relaxe au bord de l'eau, il profite du soleil et aussi de la plage privée. Pour Elijah et Jamie, leur séjour au Mexique démarre de la meilleure des manières, mais il va brusquement basculer dans l'horreur. Quand le soleil se couche ce dimanche soir, le couple dîne tranquillement dans l'un des restaurants du complexe jusqu'à 21h30, puis termine la soirée au bar du premier étage de l'hôtel. Mais vers 22h30, une heure plus tard, Jamie se sent fatiguée à cause du voyage. Elle décide donc d'aller se coucher et seulement Elijah n'a pas trop envie de dormir. Il dit donc à sa femme qu'il va rester encore un peu au bar pour boire un dernier verre. Jamie lui dit alors « Ok, fais ce que tu veux ». Elle n'est pas inquiète parce que ce bar est dans l'hôtel, il est réservé à la clientèle. Jamie laisse donc son mari et monte donc dans sa chambre. Épuisée par sa journée, elle sombre rapidement dans un profond sommeil. Mais environ 5 heures plus tard, vers 4 heures du matin, Jamie se réveille et elle constate qu'elle est seule dans son lit. Elijah n'est pas rentré. Tracassée, Jamie s'habille et sort de sa chambre. Elle marche dans les couloirs et les espaces communs de l'hôtel à la recherche de son mari. Mais à cette heure tardive, l'endroit est désert. Jamie va au bar, qui est fermé depuis longtemps. Elle vérifie tous les étages, mais il n'y a personne. Tout le monde dort et Elijah est introuvable. Après avoir cherché partout, Jamie va à la réception du resort et elle leur dit que son mari a disparu. Des employés se mettent aussitôt à fouiller le complexe, sans plus de résultats. Apparemment, Elijah Snow n'est plus là. Étrange donc, mais moins que ce qui va suivre. Quelques heures plus tard, le jour revient. Et aux alentours de 7h du matin, un jardinier commence à travailler au Sunset Royal Beach, l'hôtel voisin du Royalton, un autre établissement 4 étoiles. Il faut savoir que ces resorts ont beaucoup de personnel et ils commencent à travailler tôt parce qu'il fait chaud et aussi parce que tout doit être nickel pour la clientèle qui paye très cher. Donc le jardinier se rend dans un lieu peu fréquenté du complexe. C'est difficile à trouver et les clients n'ont rien à faire là. Donc il marche et tout à coup il voit quelque chose. En fait, on est à l'arrière d'un préau où sont donnés des spectacles. Et sur le mur, il y a une petite fenêtre carrée qui est en fait la fenêtre de toilette réservée au personnel. Et le jardinier remarque qu'il y a quelque chose d'anormal. Quelque chose est à moitié sorti de la fenêtre. Il regarde mieux et là, il a une vision d'horreur. C'est le corps immobile d'un homme, les bras en avant, coincé à mi-torse. C'est vraiment une scène perturbante. Cette personne est visiblement morte et... c'est Elijah Snow. Mais à ce moment-là, Jamie se demande toujours où peut bien se trouver son mari. À 8h30, elle appelle la police de Cancun, mais il semblerait qu'elle ne soit pas tout de suite informée de la découverte macabre. Là, ça n'est pas très clair. Et c'est souvent le cas avec la police mexicaine, je dois dire. Je suis devant le Royalton Chic Cancun, le resort où est malheureusement décédé Elijah Snow. Donc je vous ramène quelques images. Je ne vais pas pouvoir filmer à l'intérieur parce que voilà, c'est réservé à la clientèle. Mais c'est ici que ce malheureux drame s'est produit. Donc quand Jamie apprend la terrible nouvelle, son monde s'écroule. Il venait à peine d'arriver et son époux est décédé d'une façon incompréhensible. Les vacances de rêve ont tourné au cauchemar. La police mexicaine va donner à Jamie plusieurs versions des faits. D'abord qu'on aurait retrouvé Elijah coincé entre les murs des deux hôtels, puis ensuite dans cette fenêtre. Mais ce qui est sûr, c'est que selon eux, le touriste américain est mort accidentellement. Parce qu'ils ont appris qu'il avait pas mal bu depuis son arrivée à Cancun. En fin de soirée, Elijah serait sorti du bar et de son hôtel, il aurait eu envie d'uriner et serait donc entré dans ses toilettes réservées au personnel par la fenêtre où il serait resté coincé. Elijah serait alors décédé d'une asphyxie mécanique due à une compression abdominale thoracique. C'est ce que va déterminer plus tard l'autopsie. Pour Jamie, tout ça n'a pas de sens. C'est incompréhensible. Et il va se passer des choses très choquantes. Par exemple, les autorités mexicaines n'autorisent pas Jamie à voir la dépouille de son mari à la morgue. À force d'insister, elle va quand même réussir à obtenir 4 photos du corps, des photos prises par des employés de la morgue. Et devinez quoi? Elle va devoir payer ces photos. 100$, soit 100€ par photo. Bienvenue au Mexique. Et le pire, c'est que sur ces photos, on remarque des traces, des hématomes suspects sur le corps d'Elijah, notamment sur ses jambes. Et ses blessures ne sont pas forcément compatibles avec l'accident qu'il aurait eu. Pour Jamie, il est clair que Elijah a été victime d'un meurtre.
Et c'est vrai que le scénario d'un accident ne tient pas la route pour plusieurs raisons. Car primo, si Elijah avait eu envie de satisfaire un besoin naturel, il pouvait le faire dans son hôtel où il y a beaucoup de WC, ou au pire sur la plage. Et deuxio, c'est impossible qu'il ait trouvé cette fenêtre seul, parce que en plus il n'était jamais venu à Cancun avant. Il ne connaissait pas les lieux. Il avait certes la possibilité d'accéder à pied à cette fenêtre en passant par la plage ou par le boulevard, mais l'endroit est très difficile d'accès, comme vous pouvez le constater sur les photos. Et Elijah ne pouvait pas savoir qu'il y avait des toilettes là, il n'y a aucun panneau. Donc je n'irai pas par quatre chemins, Elijah n'est pas venu à cet endroit seul, surtout la nuit. Le scénario le plus plausible, c'est qu'après le départ de sa femme, Elijah est sorti de son hôtel, peut-être pour prendre l'air, et il a été agressé sur la plage. On l'a assommé et son ou ses agresseurs l'ont ensuite transporté jusqu'à ce coin tranquille dans le complexe hôtelier voisin. Ils ont peut-être voulu cacher son corps à l'intérieur de ses toilettes. Ils ont essayé de le faire rentrer par cette petite fenêtre, les pieds en avant, seulement il est resté coincé. Et ils l'ont laissé là. Autre variante, peut-être que Elijah a fait une rencontre dans le bar. Une femme ou un homme qui lui aurait proposé un moment d'intimité. Je vais pas vous faire un dessin, hein. Vu qu'Elijah était très alcoolisé, il se serait laissé tenter et serait tombé dans un guet-apens. Mais cette hypothèse me paraît quand même moins vraisemblable que la première. Depuis le drame, Jamie Snow, qui est désormais veuve, n'a jamais accepté la version officielle de l'accident. Depuis 2021, elle a remué ciel et terre pour obtenir des réponses. Elle a alerté les politiciens américains, elle est aussi beaucoup passée dans les médias pour demander de l'aide. Sans grand résultat. Elle a aussi demandé à ce qu'on analyse les bandes de vidéosurveillance des deux hôtels pour savoir s'ils auraient filmé quelque chose. Seulement, les directions des deux hôtels ont traîné les pieds, en disant par exemple que c'était contre leur règlement ou que leur caméra était en panne. Ils n'ont pratiquement fourni aucun élément, juste quelques images sans intérêt. Jamie a également demandé aux autorités mexicaines, par l'intermédiaire du consulat américain, d'inviter le FBI à les aider dans leur enquête concernant la mort d'Elijah. Mais la justice mexicaine lui a expliqué que ça n'était pas nécessaire. Parce qu'elle a conclu un décès accidentel et qu'elle estime qu'aucun crime n'a été commis. C'est donc circulé, y a rien à voir. Et en avril 2022, le Mexique a officiellement clos le dossier. Ce qui est tout à fait son droit d'un point de vue légal. Si vous suivez mon travail, vous le savez déjà, si vous disparaissez ou si vous êtes victime d'un meurtre à l'étranger, c'est l'un des pires cas de figure parce que c'est la police locale qui est chargée de l'enquête. C'est la justice locale qui gère le dossier et les autorités de votre pays d'origine sont souvent impuissantes. Comme le Mexique est un pays souverain, les Mexicains sont maîtres chez eux et même leurs puissants voisins américains ne peuvent rien faire, c'est dire. Alors vous imaginez les pays européens. Ayons une pensée pour Elijah et aussi son épouse, Jamie, qui est désormais seule avec ses deux filles et qui continue de se battre activement pour obtenir justice. Et ça s'annonce très compliqué. Le pire, c'est qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'un autre fait divers très ressemblant s'est produit récemment pas loin de Cancun. En fait, ça n'arrête pas. Le 6 janvier 2023, Jesse et Stacy Ropos, un couple de Canadiens originaires de Winnipeg, passent leur lune de miel dans un complexe hôtelier de Puerto Aventuras. Les jeunes mariés passent une semaine idyllique. Tout se déroule à merveille. Et le 13 janvier 2023, la veille de leur retour au Canada, ils passent leur dernière soirée dans un bar de l'hôtel. Vers minuit, Stacy se sent fatiguée et dit à son mari qu'elle a envie d'aller dormir. Mais Jesse veut prendre un dernier verre. Stacy laisse donc son époux au bar et rentre seule dans leur chambre. Elle se met au lit et glisse rapidement dans le sommeil. Mais vers 3h du matin, des employés du complexe viennent réveiller en sursaut Stacy. Ils lui disent que son mari est ivre dans le hall de l'hôtel et qu'il faut aller le chercher. La jeune femme descend donc en vitesse. Et là, elle est surprise de voir la police. Elle aperçoit aussi un ruban jaune interdisant l'accès. Donc Stacy commence à s'affoler. Elle s'approche et à ce moment-là, une employée de l'hôtel l'arrête et lui dit: « Il faut que je vous dise, votre mari est mort. » Et la nouvelle est plutôt violente. On ignore ce qui s'est passé exactement, mais d'après le rapport de police, Jesse se serait battu dans le bar avec un autre client de l'hôtel, et le gérant du bar et un agent de sécurité privé l'auraient « neutralisé », entre guillemets. Ils auraient apparemment employé une méthode un peu trop musclée, car Jesse a été étranglé. Donc c'est une fin de vacances assez abominable pour Stacy, qui, à peine mariée, se retrouve veuve. Jesse Ropos avait 36 ans et lui et sa femme avaient 3 enfants âgés de 8 à 15 ans qui étaient restés à Winnipeg. Une fois n'est pas coutume, la police mexicaine a arrêté les responsables. Parce qu'il faut savoir que 95% des homicides au Mexique restent irrésolus. Un chiffre assez terrifiant. Mais là,
ils ont arrêté les deux employés de l'hôtel qui ont été inculpés d'homicide. Il y a quand même des chances qu'ils soient condamnés, mais bon, il est encore trop tôt pour se prononcer. Je tenais à vous citer cette affaire parce qu'elle ressemble pas mal à celle d'Elijah Snow. À chaque fois, les victimes sont restées seules au bar pour boire un dernier verre, et ça s'est mal terminé. Morale de cette histoire, ne restez jamais seul prendre un dernier verre au bar. Rentrez toujours dormir avec votre femme, ou votre homme, hein. Je plaisante à peine, il y a peut-être un mode opératoire là. Les personnes seules sont possiblement repérées et ciblées. On sait qu'au Mexique, il y a souvent dans les lieux nocturnes, les bars, des dealers, des membres de cartels, des membres de gangs, des personnes assez peu recommandables. Faut faire gaffe. Quand on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, il faut aussi reconnaître qu'il y a une autre donnée à prendre en compte, l'alcool. Parce que dans ces complexes hôteliers, souvent all-inclusive, c'est open bar, c'est qu'à de le dire. Certaines formules prévoient que toutes les consommations sont incluses. C'est alcool illimité. Et certains clients abusent. Ils peuvent donc se retrouver dans des situations délicates, devenir des proies vulnérables, avoir des comportements à risque, ou même dans des cas extrêmes, péter des plombs, comme on dit. Et l'affaire suivante en est la parfaite illustration. En novembre 2021, Sativa Tronsu et Taylor Allen, un couple d'Américains de 26 et 31 ans, partent un long week-end à Cancun à l'occasion des fêtes de Thanksgiving. Originaires de l'État de Washington, ils séjournent au All Ritmo Cancun Resort, un établissement 3 étoiles où ils ont prévu de se relaxer. Mais le 27 novembre 2021, une femme de ménage qui veut nettoyer la chambre du couple découvre à l'intérieur le corps sans vie de Sativa. Elle a visiblement été battue à mort, et son meurtrier va être rapidement identifié. Il s'agit de Taylor Allen, son petit ami. L'enquête de police va déterminer que la veille au soir, une violente dispute a éclaté dans leur chambre d'hôtel, et Sativa a été victime d'un féminicide. Et dans l'un de ses derniers textos à ses proches envoyés la veille, Sativa a expliqué que Taylor avait déjà bu 7 shots et 2 pina coladas à 13h. Et ça n'était que le début d'après-midi, il a dû continuer par la suite et toute la soirée. Et selon la jeune femme, Taylor se transformait en bête à chaque fois qu'il buvait. Et force est de constater qu'au Mexique, les tentations de boire sont nombreuses. Il y a de l'alcool partout en fait. Allen a donc été inculpé de féminicide, il est en prison à l'heure actuelle, mais n'a toujours pas été jugé. Pour son crime, il encourt une peine de 50 ans d'emprisonnement. En plus des crimes, des touristes perdent aussi malheureusement la vie dans des accidents lors de leur séjour à Cancun. Il y a par exemple pas mal de noyades. J'ai eu l'occasion de me baigner à Cancun, à Playa Marlin, l'une des rares plages publiques, très difficile à trouver d'ailleurs, et je dois dire que la mer à Cancun, c'est l'une des plus belles que j'ai jamais vues. Elle est d'une couleur bleue presque fluorescente et sa température avoisine les 27 degrés toute l'année. Mais il faut se méfier de la mer à Cancun, les courants peuvent être très violents, il y a des courants d'arrachement qui vous entraînent vers le large. Et pas plus tard qu'en février 2023, une jeune Française nommée Magali a été emportée. On a réussi à la ramener sur le rivage où les secours ont tenté de la réanimer sans succès. Magali est malheureusement décédée. Donc il faut faire attention quand on se baigne à Cancun, surtout qu'en plus il y a des requins. Parce qu'on est dans la mer des Caraïbes hein, et il y a déjà eu des cas d'attaque, comme par exemple celui de Nicole Moore en 2011. Cette Canadienne originaire de l'Ontario était en vacances à Cancun, elle venait de jouer au volley-ball sur la plage devant son resort et elle a juste voulu se rafraîchir. Elle est entrée dans l'eau qui ne lui arrivait qu'à la taille quand un requin l'a agressée. Par chance, Nicole a survécu mais elle en a gardé des séquelles. Le requin qu'elle a rencontré a emporté un souvenir d'elle. La route est aussi dangereuse à Cancun. Comme partout dans le monde, des touristes succombent à des accidents de la circulation. En février 2022, un bus ADO reliant Cancun à Mérida a eu un accident spectaculaire sur l'autoroute. Il s'est retourné et le bilan a été lourd. 8 morts et 19 blessés. Deux des victimes étaient françaises. Paix à leurs âmes. Signalons que ce n'était pas le chauffeur du bus qui était en tort, mais le conducteur d'un autre véhicule, un camion ben qui a fait une mauvaise manœuvre et a provoqué le crash. Je suis pas complètement étonné parce que j'ai eu l'occasion de conduire au Mexique et sur l'autoroute, c'est un peu du grand n'importe quoi, ça double à gauche, à droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est du sport quoi. Les accidents dont je vais parler maintenant sont plus insolites. Parfois, les touristes commettent des imprudences et ils le paient cash. Le 6 janvier 2023, une touriste américaine de 20 ans nommée Leah Pierce, qui séjournait à Cancun dans un appartement Airbnb, s'est rendue compte que la porte était verrouillée et que ses clés étaient restées à l'intérieur. Incapable de rentrer dans le logement, Léa a essayé de passer par le balcon au 3e étage. Seulement, elle a glissé et elle a fait une chute mortelle. Les chutes fatales depuis les balcons sont apparemment assez fréquentes à Cancun. Il faut dire que certains hôtels ont une taille impressionnante. Certains sont massifs avec énormément d'étages. Et le 14 août 2022,
Un vacancier mexicain cette fois est tombé du balcon de sa chambre située au 5e étage de l'Occidental Tucacun, un hôtel 4 étoiles de Cancun. Donc dans les exemples que je viens de vous donner, les touristes ont souvent une part de responsabilité, mais pas tout le temps. Ces dernières années, Cancun a fait parler d'elle au niveau international en raison d'incidents inquiétants. Le 4 novembre 2021, en début d'après-midi, des vacanciers étaient en train de bronzer tranquillement sur les plages privées de deux resorts de Cancun quand une quinzaine de personnes armées sont arrivées en bateau et se sont mis à tirer sur deux individus sur la plage. Deux revendeurs de drogue qui ont été abattus devant tout le monde. Près de 26 balles ont été tirées et la fusillade a provoqué un mouvement de panique. De nombreux clients se sont réfugiés en maillot de bain dans le hall de leur hôtel. Un vacancier américain a même été blessé. Il s'est pris une balle perdue en sortant de la piscine. En fait, ils ont assisté à un règlement de compte. Il faut savoir que les organisations criminelles, les cartels, se livrent à une véritable guerre de territoire au Mexique, y compris maintenant dans les destinations touristiques, et c'est assez récent. C'est une guerre et c'est la jungle, et ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de s'affronter en plein jour sous les yeux des touristes. Précisons tout de même que ces criminels ne visent pas directement les touristes, mais bon, si vous prenez une balle perdue, ça les gêne pas trop. Leur priorité, c'est d'éliminer leurs concurrents, leurs ennemis, et s'il y a des victimes collatérales, c'est pas leur problème. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Tulum, une petite ville touristique sur la côte à 130 km au sud de Cancun, où j'ai eu l'occasion d'aller. L'endroit est célèbre pour ses ruines mayas. Et le 22 octobre 2021, vers 22h, des vacanciers étaient en train de dîner tranquillement dans un bar du centre-ville quand une fusillade a éclaté entre deux bandes rivales. Trois clients du bar ont été blessés par des balles perdues et deux jeunes touristes ont perdu la vie. Une Allemande de 35 ans et une Américaine de 25 ans nommée Anjali Riot. Anjali était une blogueuse de voyage et une Instagrammeuse. Et ça montre que ça peut arriver à tout le monde. Et ses victimes n'ont pas pris de risque particulier, elles étaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça le Mexique, la plupart du temps c'est très tranquille, mais tout peut arriver n'importe quand. Suite à ces fusillades, qui continuent de temps en temps, les autorités mexicaines se sont apparemment inquiétées de la situation, sans doute pour des raisons financières. Il faut savoir que le tourisme ou l'industrie, car il faut parler d'industrie, est la principale activité économique à Cancun. Il rapporte chaque année plus de 12 milliards de dollars. En plus d'importantes forces de l'ordre, moi j'ai jamais vu autant de policiers et de voitures de police qu'au Mexique, la garde nationale a été rappelée à la rescousse. Plus de 1500 soldats ont été déployés. Et il n'est pas rare de voir des soldats lourdement armés patrouiller sur les plages paradisiaques au milieu des touristes. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Mais c'est surtout pour rassurer, donner un sentiment de sécurité, parce que, en réalité, ils font acte de présence, mais bon, je suis pas certain qu'ils luttent activement contre le crime. Parce que pendant ce temps-là, la violence continue dans des zones un peu moins touristiques, parfois à seulement quelques pâtés de maison. On approche de la fin de cette émission, et si vous êtes toujours là, vous avez bien fait parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin, si je puis dire. Moi, j'ai presque envie de dire que quand on voyage au Mexique, on est en sécurité seulement quand on est dans l'avion du retour. Quoique, celles et ceux qui ont peur en avion ne seront pas forcément de cet avis. Mais il peut encore vous arriver des bricoles à l'aéroport, comme va nous le montrer le fait divers que je vais vous présenter maintenant. Ça s'est passé à l'aéroport international de Cancun et je dois avouer que je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser quand j'étais moi-même là-bas pour prendre mon vol pour rentrer en France. En février 2022, Dustin Jackson et sa femme, un couple d'Américains originaires de l'Utah, viennent de passer une semaine de vacances parfaites à Cancun. Le jour de leur retour aux USA, ils se rendent à l'aéroport international de Cancun pour prendre leur avion. Mais ils sont en avance et doivent attendre quelques heures. Le couple patiente donc dans le terminal. Mais à un moment donné, Dustin, qui est fumeur, a envie de s'acheter du tabac à mâcher. Il dit alors à sa femme qu'il va vite aller en acheter. Il n'en a pas pour très longtemps. Il sort donc du terminal et demande à un chauffeur de taxi de le conduire dans la station-service la plus proche. Le taxi l'amène donc dans une station-service, seulement ils ne vendent pas de tabac à chiquer. Dustin demande alors au taxi de l'amener dans une épicerie. La suite n'est pas très claire, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à un moment, Dustin perd connaissance. Et il semblerait qu'il ait été kidnappé par le chauffeur de taxi et agressé par plusieurs individus. Et quand il revient à lui, Dustin se rend compte qu'il est dans un fossé et gravement blessé. Il a reçu plusieurs coups de machette, son épaule est brisée et son pied lui fait mal. L'Américain se rend alors compte qu'on a essayé de lui... le pied, mais qu'ils l'ont raté. Agressé et laissé pour mort, Dustin va être finalement secouru et il estime avoir eu beaucoup de chances de survivre. Depuis son agression, il a subi de nombreuses opérations chirurgicales. On lui a notamment recollé le morceau de pied. Je ne sais pas s'ils ont utilisé de la super glue, mais bon, tout va mieux pour lui. Et il a raconté sa mésaventure dans plusieurs médias américains. En ce qui concerne le mystérieux chauffeur de taxi et les agresseurs de Dustin, ils n'ont jamais été identifiés et encore moins arrêtés.
et c'est même pas sûr que la police mexicaine ait cherché à le faire. Mais pour être franc, je me pose quand même des questions sur cette histoire. En fait, on ne sait pas si le rescapé a vraiment dit toute la vérité. Il a peut-être voulu acheter autre chose que du tabac mâché, et il aurait pu rencontrer des personnes mal intentionnées. Parce que, il faut le dire, beaucoup de crimes touchant les étrangers au Mexique sont liés à différents trafics. Et bien souvent, les victimes ont été en rapport avec des mauvaises personnes. Moi, personnellement, quand j'étais au Mexique, on m'a proposé plusieurs fois de la drogue, hein, que ce soit dans la rue, dans les magasins. Bah, à chaque fois, j'ai refusé. J'ai refusé poliment et je suis parti. Mais si vous commencez à avoir des interactions avec ces gens, si vous commencez à faire des transactions avec eux, si vous êtes vous-même impliqué dans des activités illégales, là, vous pouvez vraiment vous mettre en grand danger. Surtout si ça se passe en plus la nuit. Sans parler du fait que vous pouvez aussi avoir des gros problèmes avec la police et la justice mexicaine, hein, ce qui est toujours préférable d'éviter. Donc on arrive à la fin de cette émission, son but n'était pas de vous faire peur, mais avant tout de vous informer. Cancun et sa région sont réputés beaucoup plus sûrs que le reste du Mexique. Et c'est vrai, en comparaison avec Acapulco ou Juarez, seulement il se passe quand même des choses. Les autorités américaines ont encore déconseillé récemment à leurs citoyens de voyager au Mexique à cause de la criminalité et des risques élevés d'enlèvement. En ce qui me concerne, je ne vous déconseille pas d'aller à Cancun, mais de toujours rester prudent, même dans les lieux touristiques. Moi, je suis resté 4 mois au Mexique, je n'ai eu aucun problème. Et je ne logeais pas dans des resorts luxueux et ultra sécurisés à 400€ la nuit, non. Je vivais un peu comme les Mexicains. Mais il faut faire attention, c'est sûr. Parce que même si la majorité des Mexicains sont adorables et accueillants, il y a quand même là-bas des gangs, des cartels, des criminels dont tuer le quotidien. Et il faut bien comprendre que si vous avez le moindre problème là-bas, vous ne pourrez pas compter sur les autorités mexicaines, comme on l'a vu dans certaines de ces affaires. Seulement 5% des affaires criminelles, meurtres et disparitions sont résolus au Mexique. Ils se fatiguent pas trop, hein. On peut pas dire qu'il mouille beaucoup la chemise. Même s'il fait très chaud, je dois dire que j'ai jamais autant transpiré que là-bas. Je pense que la sécurité, c'est avant tout une question d'attitude. Il faut se prendre en main. Il faut prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle de ses proches. Et ça commence sur Internet. J'en profite d'ailleurs pour remercier CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle réservée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 2,03€ par mois. C'est totalement sans risque, alors allez le vérifier vous-même. Le lien est dans la description. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce en l'air et aussi de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Merci à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. On reparlera encore sûrement du Mexique dans l'avenir, mais dans l'immédiat, ne disparaissez pas.